Bonsoir, mes amis, enfants de Dieu, frères et sœurs. Bienvenue sur le plateau de TV et Radio de Vie. Nous sommes, mes amis, en direct sur TV de Vie. Il est 20h35 passé, heure de Paris, heure locale. Et on est en direct sur TV de Vie. Merci pour vos prières, pour vos conseils, vos appels et tout ce que vous faites dans le royaume de notre Père Céleste. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous bénissons ton nom pour l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton nom pour les frères et sœurs qui aiment ta parole, qui sont connectés ce soir, Seigneur, qui ont soif de toi, soif de ton évangile. Au nom de Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Voilà, on est avec des frères et sœurs sur ce plateau. Hein, donc, et une nouvelle personne qui vient de naître d'en haut, hein, donc notre sœur. Et qui était musulmane, que le Seigneur vient de sauver, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui ont suivi le programme de réveil de ce samedi, vous avez vu comment il a ramené des livres bouddhistes, tout ça, et également son Coran et plein d'autres livrets. Voilà, et elle a reçu une Bible, et puis aujourd'hui, bah, elle marche avec le Seigneur. Et voilà, nous voulons vraiment l'accueillir avec joie au nom de Yeshua. Voilà, bonsoir. Voilà, le micro est là, je crois que c'est allumé. Comment vas-tu? Ça va, merci. Gloire à Dieu. Alors les frères et sœurs te regardent juste là, sur cette caméra-là. Et comment ça se passe alors cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est juste incroyable en fait, tout ce qui m'arrive depuis le 29 mai. D'accord. Je réalise à quel point j'étais perdue et que j'ai passé quand même des années dans le désert. Et là, j'ai juste une envie, c'est de rester dans ce chemin parce que sans Dieu, est-ce qu'il me pardonnera déjà de retourner dans le monde? Ça, c'est sûr que non. Parce qu'il m'a quand même protégée pendant 5 ans et bien plus. Et j'ai pas envie de perdre tout ça. Amen. Donc voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Puis il y a d'autres frères et sœurs hein, qui sont là et on va peut-être revenir sur toi plus tard. Et voilà, on a aussi un frère hein, qui nous vient de la Guadeloupe et qui vit à Saint-Martin. C'est cela, Je crois que bonsoir. le micro n'est pas, ton micro n'est pas allumé. Voilà, faut que ce soit vert. Voilà. Oui, bonsoir. Je m'appelle Frère Yannick. Effectivement, je viens de Guadeloupe et je suis donc résident à Saint-Martin depuis quelques années. Et je suis de passage donc en France, métropolitaine. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là, de Il y a beaucoup de partager la frères et sœurs de parole. Saint-Martin qui C'est sont assez longtemps, connectés hein, ce tout à soir. fait, ouais. Voilà. Voilà, que Dieu soit béni, en tout cas, soit le Amen, bienvenu. que le Seigneur soit béni. D'un état de santé, il me permet de partager la parole. D'accord. Donc c'est extraordinaire. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, on a aussi un frère qui nous vient de loin, de Brazzaville, que Bonsoir. beaucoup connaissent déjà parce que le 21 décembre 2012, il était là, hein, c'est avec nous. Porteur du drapeau, la République du Congo à cette occasion. Ouais. Toujours un plaisir d'être là. Amen. Je veux bénir le Seigneur ce soir parce que c'est un miracle. Je devais normalement passer paradis. J'ai demandé au Seigneur, Paradis Abeba, Paradis Abeba, la capitale, éthiopienne. voilà. J'ai dit au Seigneur que j'avais une forte envie de communier avec les frères et Dieu a fait grâce pour que je transite par Paris, que son nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a aussi hein, une sœur, bien sûr. Bonsoir. Hein, donc, qui est touchée Bonsoir. par le message. Bonsoir. Oui, c'est vraiment génial ce que le Seigneur fait. Il touche les cœurs, même les plus difficiles, et c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Et le message te touche, t'encourage, tout ça, te fait du Oui, bien. ça me touche, ça m'encourage. Et même des personnes à qui je parle, pas forcément directement, viennent me remercier pour le message que j'apporte. Je dis que c'est une grâce du Seigneur, je ne suis qu'un une servante inutile. Donc, Voilà, que le Seigneur soit béni. Et comment ça se passe à Saint-Martin avec les églises? Alors, bon, il y a un bon. Je crois qu'il y a un désir de revenir à la parole, à la simplicité de la parole, l'évangile. Et puis que les églises se battent, elles essayent de rester dans la pureté de la parole, même si ce n'est pas tout à fait facile, je pense. Et puis je pense qu'il y a aussi
Il faut qu'on soit aussi dans la sincérité, devant la parole, devant le Seigneur. Il y a des hauts, il y a des bas aussi. Voilà. Donc je pense qu'il faut que ça soit une prise en charge qui soit efficace, effective, qu'on revienne à l'évangile, ce que tu, de toute façon, ce que tu prêches comme message. Il y a des frères qui sont des trompettes et qui sonnent. Voilà. Donc il faut continuer à sonner. Il faut le faire aussi là-bas, sur place. Il faut le faire sur place. Je pense que tu le fais déjà. À mon niveau, oui. D'accord. Autant que possible. Que Dieu soit béni en tout cas. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous vous avons promis de parler sur la fin de temps et sur les derniers temps ou les derniers jours. Donc, ce sont des expressions qui, bien sûr, sont différentes. Hein, elles ne sont pas. Parce qu'il y a souvent une confusion entre la fin de temps et les derniers jours. Voilà. Et on va tout au long de cette émission essayer d'expliquer un peu et, ce que c'est. Voilà. Nous sommes dans. On va d'abord parler de la fin des derniers jours. Hein. Donc, essayer d'expliquer un peu ce que c'est. Nous sommes dans Genèse 49. Genèse 49, nous lisons le verset premier. Le verset premier. Jacob appela ses fils et dit. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas, Laurent, si on peut avoir le tableau. Je sais que je vous embête de temps à autre. Voilà. Donc, je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. Alors, dans la plupart des versions de la Bible que vous avez, cette expression, le mot hébreu traduit par. Dernier jour n'a pas été correctement traduit dans vos versions, en fait. Donc, ça a été traduit par dans la suite de temps. Et alors que c'est pas ça. C'est le dernier, les derniers jours. Voilà. Et c'est ce que nous allons d'abord expliquer hein, ce soir. Donc, nous allons parler des derniers jours et de la fin de temps. Et voilà. Donc, prenez bien un stylo si vous le pouvez avec un cahier. Si vous êtes chez vous pour noter, et vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, nous appeler pour nous poser vos questions. Voilà, donc Jacob, donc, avant de mourir, il se trouvait bien sûr en Afrique, ici, il faut le souligner. Il se trouvait en Afrique, il se trouvait en Égypte. Il savait que son heure était venue. Et avant de mourir, il va, n'est-ce pas, rassembler ses 12 princes, ses 12 enfants. Et il leur dit... Et je vous annoncerai ce qui arrivera dans les derniers jours. Voilà. Donc Jacob était bien sûr prophète. Parce qu'on ne peut pas annoncer les choses de futur, hein, de l'avenir, les choses à venir si on n'est pas prophète, si on n'a pas reçu l'esprit prophétique, donc le Saint-Esprit. Et il va dire au verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël. Votre père. Alors, et c'est très intéressant ce que Jacob dit ici dans le verset 2, à la fin, hein, donc la dernière phrase. Écoutez Israël, votre père. En hébreu, Shema Israël, n'est-ce pas? Donc, et beaucoup savent ce que c'est le chemin Israël, le chemin Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, n'est-ce pas? Donc, c'est la foi, la confession de foi dans le judaïsme. Voilà, donc cette prière, on la retrouve dans Deutéronome 6, verset 4, où Moïse disait aux enfants d'Israël, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Et écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà, donc c'est Jacob qui va, n'est-ce pas, initier ses enfants à cette prière. Et Yeshua, notre Seigneur, dans Marc chapitre 12, lorsqu'on va lui poser la question par... une question par rapport au salut par un homme riche. Et le Seigneur dira, voici ce que la loi dit, « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas, l'Éternel est un. Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Ou encore, le Seigneur, donc Adonai, notre Seigneur, est un. Voilà, donc, Jacob, hein, le mot « Shema » Shema, écoute, signifie littéralement écoute et comprendre, écoutez et comprenez. Hein? Donc, c'est pas seulement entendre, mais c'est écouter et comprendre. D'accord? Voilà, donc on va aller sur le tableau. Hein? Je vous ai
je vais pouvoir écrire des choses là et pour bien expliquer certaines choses aux frères et sœurs. Voilà. Voilà, merci. Merci Mike. Alors, je pense que c'est Shema, donc c'est écouter et comprendre. Ou encore saisir, n'est-ce pas? Donc, vous inquiétez pas, on va bien fixer le tableau là. Hein, Shema, écouter et hein, donc comprendre. Et parce que je donne un exemple. Si je dis en Lingala, hein, qui est la langue parlée au Congo-Kinshasa, Yaka, par exemple, tout le monde entend Yaka, d'accord? Mais tout le monde ne comprend pas. Donc, on peut entendre un son et ne pas le comprendre, ne pas le saisir. Donc, Shema signifie entendre et comprendre, écouter et comprendre, saisir le message. Donc, Jacob voulait absolument que ses fils, ses 12 fils, entendent et comprennent son message concernant les derniers jours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Jacob voulait nous faire comprendre que, notamment à ses enfants, qu'il est important aux hommes qui veulent servir le Seigneur, qu'il est important aux chrétiens de comprendre et de saisir, n'est-ce pas, les choses, les événements qui vont se dérouler dans les derniers jours. C'est-à-dire que un chrétien qui ne comprend pas, qui ne saisit pas les derniers jours, les choses relatives aux derniers jours, eh ben, ce chrétien ne pourra pas être, mes amis, tenir debout face aux épreuves, ne pourra pas, n'est-ce pas, se sanctifier jusqu'au retour du Mashiach. Voilà pourquoi Jacob dit à ses enfants, Shema, écoutez et comprenez votre père. Shema Israël, votre père. Comprenez le message que votre père a à vous délivrer avant sa mort. Voilà son langage. Comprenez. Quand Jésus-Christ enseignait, il enseignait souvent en parabole, selon les Écritures, notamment dans Matthieu 13, on le voit. Tout le monde l'entendait. La foule l'entendait. Mais seuls les disciples, dans le secret, dans la maison, comprenaient, saisissaient son langage. Le Seigneur le dit dans Matthieu 13. Ces hommes, il disait, en parlant de la foule, ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent, ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Cela veut dire quoi? On peut voir certaines choses et n'est-ce pas comprendre ce que l'on voit. Voyez, donc, Jacob voulait vraiment que ses enfants saisissent les derniers jours, comprennent ce que c'est le temps, l'horloge de Dieu. Comprennent, mes amis, ce que c'est le plan de Dieu concernant leur futur. Voyez? Et le message sur le temps de la fin, le message sur les derniers jours, sont des messages qu'on doit comprendre, que les chrétiens doivent saisir. C'est important. Donc, voilà. Maintenant, on a vu que Jacob parle, n'est-ce pas, des derniers jours à ses enfants. D'accord? Alors, dernier, c'est Akarit. Akarit en hébreu, qui signifie extrémité. Dernier, n'est-ce pas, dans une série de choses. D'accord? Et son équivalent grec, c'est eschatos. Eschatos, qui signifie pareil, la même chose. Et dernier, dans la série des événements. Donc, extrémité. Donc, vous avez par exemple dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 28, quand le Seigneur dit qu'il faut annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Donc, le mot extrémité, extrémité, c'est eschatos en grec. D'accord? Et vous avez aussi... il y a plusieurs endroits en fait dans le Nouveau Testament où il est question de eschatos et qui a donné eschatologie bien sûr les enseignements ou le discours relatif aux événements
concernant la fin de temps ou encore les derniers jours, plutôt je dirais les derniers jours. Donc là, Jacob annonce des événements concernant les derniers jours. Et Akarit, n'est-ce pas? Yom. Donc Yom, bien sûr, c'est le jour. Hein? Donc Yom, c'est le jour, comme Herméra en grec. Donc le jour. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que Jacob veut nous enseigner, frères et sœurs? Écoutez bien. Il est question d'abord des derniers jours. C'est important qu'en tant que chrétien, vous le saisissiez. Maintenant, ça ne se passe pas. Je veux vous expliquer avec les Écritures à l'appui, hein, à quel moment précisément les derniers jours ont commencé. D'accord? À quel moment? Sommes-nous dans les derniers jours ou pas? On a vu que le premier homme dans l'histoire biblique à avoir fait mention des derniers jours, c'est Jacob, avant sa mort. Et il a insisté pour que ses enfants l'écoutent et le comprennent. Shema Israël, écoutez et comprenez. Et Shema Israël est utilisé également, comme on l'a vu dans Deutéronome 6.4, par rapport aux deux lois fondamentales. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ces deux lois résument l'ensemble de la loi biblique, divine. Et pour, avant d'expliquer, avant de donner ces lois aux Hébreux, Dieu les a invités à écouter et à comprendre. Vous voyez, parce que ces deux lois sont fondamentales. Donc Dieu va, comme Jacob, exiger, insister sur le fait qu'il faut écouter et comprendre sa parole. Shema, justement. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on apprend également ici dans Genèse? Jacob va commencer à prophétiser sur le futur des 12 tribus d'Israël. Il va déclarer des paroles qui vont s'accomplir plus tard, n'est-ce pas, en Israël. Et à quel moment les derniers jours ont réellement commencé? Alors, je ne dirais pas dernier temps, mais le dernier jour, parce que rappelez-vous bien que en hébreu, jour, c'est yom, n'est-ce pas? Et en grec, c'est herméra. Donc, c'est pas temps, mais c'est vraiment jour, c'est pressé jour, dernier, n'est-ce pas? Et dans une série des événements. Alors, nous sommes dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, nous lisons le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Voyez, donc dans les Écritures, quand vous avez les expressions en ce jour-là, en ce moment-là, en ce temps-là, hein, par rapport au futur, sachez que vous avez affaire ici au temps messianique. D'accord? Donc, les derniers jours concernent, bien sûr, les temps messianiques. Donc, les derniers jours font référence à la personne de Yeshua. D'accord? Cela veut dire que c'est Yeshua, mes amis, qui est le centre de la prophétie relative ou des prophéties relatives aux derniers jours. D'accord? Et donc, Joël prophétise 800 ans avant Jésus-Christ, il va prophétiser qu'un temps allait venir où Dieu, n'est-ce pas, allait répandre son esprit sur toute chair, et pas seulement sur les sacrificateurs, hein, les lévites, mais sur toute chair, c'est-à-dire toutes les nationalités confondues. Et ça, c'est terrible. C'est une prophétie, mes amis, qui entrevoit, n'est-ce pas, le salut des nations. Et nous sommes dans justement, Actes chapitre 2. Et qu'est-ce qu'on apprend? Actes chapitre 2, l'Esprit va être répandu, comme Joël l'a annoncé. Et Pierre va se lever pour donner une explication, n'est-ce pas, biblique, aux manifestations qu'il y avait, n'est-ce pas, que les 120 personnes qui avaient reçu l'Esprit avaient. Parce que les Juifs de la diaspora
venu à Jérusalem ce jour-là pour fêter la fête de Pentecôte, ne comprenaient pas trop, n'est-ce pas, l'attitude, le comportement, le langage de ces 120 personnes. Alors Pierre nous dit au verset 14, alors Pierre se présentant avec les 11 et éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes, juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à mes paroles. Voyez? D'accord? Et Pierre dit quoi? Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire 9h du matin. Et qu'est-ce qu'on apprend? Il est dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc Pierre nous apprend ici que l'expression « en ce temps-là » utilisée par Joël signifiait littéralement « les derniers jours ». Et Pierre nous apprend ici que les derniers jours ont débuté à la naissance de l'Église. Les derniers jours ont commencé à la naissance de l'Église lors de la fête de la Pentecôte, précisément, dans Actes chapitre 2. Donc vous voyez que les derniers jours ont un rapport avec Christ et son corps qui est l'Église. Donc c'est, en fait, les derniers jours ont un rapport avec la dispensation de l'Église, de l'Esprit. Littéralement, le sixième âge, la sixième dispensation, n'est-ce pas? Les derniers jours. Donc, Dieu a donné naissance à son corps, le corps de Christ, l'Église, pour inaugurer, n'est-ce pas, l'ère, l'âge, la dispensation, n'est-ce pas, des derniers jours. Donc, depuis 2000 ans, les nations, le monde, sont entrés dans les derniers jours, selon le calendrier de Dieu. D'accord? C'est important de le souligner, de le savoir. Donc, ce n'est pas la fin de temps. Vous voyez bien que la fin de temps n'est pas, la fin de temps, mes amis, n'est pas les derniers jours. Les derniers jours ont un rapport avec la naissance de l'Église, avec l'effusion de l'Esprit. Donc, les derniers jours, n'est-ce pas, vont jusqu'au retour de Yeshua. C'est ça, en fait, les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église et jusqu'à ce que Christ, mes amis, revienne. Cette période-là, de la naissance au retour de Yeshua, mes amis, représente les derniers jours. Voilà, c'est bien de le souligner, de le comprendre. Et donc, on a vu que les derniers jours furent inaugurés, n'est-ce pas, par la naissance de l'Église, par l'effusion, hein, donc avec l'effusion de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et là, c'est comme si dans le calendrier de Dieu, dans l'horloge de Dieu, eh bien, les choses se précipitent, n'est-ce pas? Donc, les prophéties se mettent à s'accomplir, mais avec une rapidité, mes amis, jusqu'à présent, inégalée. Donc, et c'est terrible ce qui se passe, effectivement. Donc, l'Église, la naissance de l'Église, l'épouse de Yeshua, mes amis, sa naissance va permettre, hein, va pousser Dieu encore à exécuter, mes amis, son plan parfait. Et que nous allons voir concernant justement la fin de temps. Les derniers jours inaugurent, n'est-ce pas, la naissance ou l'ère ou l'âge de l'Église. Voilà. Donc maintenant, Hébreux nous dit également, Hébreux chapitre 2 nous dit ceci, chapitre 1er, verset 1er au verset 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, donc littéralement ici, pas derniers jours, hein, donc bon, on peut dire aussi temps, mais c'est plus dernier jour parce que c'est herméra en grec. Ça, c'est herméra, signifie plus temps comme un jour. Et voilà, pourquoi? Parce que bon, on parlera plus tard, peut-être un autre jour, sur le jour de Yahweh. Ça a un rapport avec le jour de Yahweh. Voyez, le premier jour, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut jour 1, n'est-ce pas? Donc Dieu est lié à, parce qu'il est lui-même le jour, en fait, hein, le jour, la lumière. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut jour 1. Voilà. Donc, il est dit ici que dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. Ou encore,
Dieu nous parle par le Fils. Donc vous voyez bien que, mes amis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait comprendre que nous sommes, depuis la naissance de l'Église, il confirme encore ce que Pierre disait, nous sommes bel et bien dans les derniers jours, depuis 2000 ans. Alors, qu'est-ce qu'on on apprend encore, mes amis, concernant justement les derniers jours? Donc nous avons le témoignage de Pierre dans Actes 2. Nous avons le deuxième témoignage de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Cette épître est souvent attribuée à Paul ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons déjà deux témoins. Hein, il est dit dans les Écritures que vous ne pouvez pas recevoir le témoignage de quelqu'un. Vous ne pouvez pas recevoir l'accusation contre quelqu'un sans la déposition de deux ou trois témoins. Donc nous avons deux témoins déjà. Et nous allons voir un troisième témoin, c'est-à-dire l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. D'accord? C'est la dernière heure. Heure. Donc ici, le mot dernier ici, c'est pareil, c'est eschatos. Hein? Donc Jean a écrit cette lettre, mes amis, et avant, bien sûr, après, bien sûr, Paul, il a écrit dans les années 85 à peu près. Jean va dire que, mes amis, que c'était, mes amis, la dernière heure. Il n'était pas encore mort, Jean. Il était vivant et il nous apprend ici que, mes amis, à son époque, déjà, c'était la dernière heure, c'est-à-dire les derniers jours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant? Quels sont les événements qui sont censés avoir lieu dans ces derniers jours, inaugurés par l'Église, la naissance de l'Église? On apprend dans 1 Jean ici que il y aura, bien sûr, plusieurs antéchrists et c'est déjà le cas. Plusieurs antéchrists vont venir. Et ça a commencé depuis la naissance de l'Église. Et Jean nous dit que ça va aller grandissant. Le nombre d'antéchrists va de plus en plus, mes amis, s'agrandir. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à l'enlèvement de l'Ecclésia, eh bien, les antéchrists viendront en grand nombre. Ils vont de plus en plus, mes amis, le nombre de ces antéchrists va s'agrandir, va s'alourdir. Et on ne doit pas s'attendre à autre chose. Et on sait tous ce que c'est, ce que ça signifie le mot antéchrist. Anti, c'est contre. Anté, c'est avant. D'accord? Et Jean nous apprend que c'était la dernière heure déjà à son époque. Et 2000 ans après, mes amis, à votre avis, on est vraiment, mes amis, dans les derniers temps. Il dit également, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Jean nous apprend que l'avènement de l'antéchrist fait partie des derniers jours. Donc cela veut dire, mes amis, nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous, Église, nous allons voir l'antéchrist. Parce que Jean nous dit que l'antéchrist viendra pendant la dispensation de l'Église. Et d'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens 2, Paul le dit, avant notre réunion avec Jésus, avant le retour visible de Yeshua, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'impie, l'homme impie, le fils de la perdition. Donc Pierre le dit, Paul le confirme. Frères et sœurs, donc dans les derniers jours, nous voyons déjà, nous verrons de plus en plus l'émergence des antéchrists et nous verrons également l'avènement de l'antéchrist, c'est-à-dire la bête dont il est question dans Apocalypse chapitre 13. Le gouverneur de la terre, le roi de la terre, le président du monde, d'un monde globalisé, unifié, d'un monde, mes amis, où la pensée unique est imposée à tous ses habitants. Une seule pensée, un seul langage, le langage monétaire, l'argent. Faites tout pour avoir de l'argent, voilà le langage de ce monde.
C'est la construction de la tour de Babel, selon Genèse 11. N'est-ce pas? Et nous sommes dans ce temps-là. Et qu'est-ce qu'on apprend, frère? Jean dit par là. Hein? Donc, vous savez qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ben oui. Donc, vous voyez bien que l'émergence des antéchrists est la preuve que nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les derniers moments. Depuis la naissance de l'Église, bien sûr, mais Jean nous donne un autre détail. C'est l'émergence, le réveil des antéchrists. Des gens qui viennent et qui disent, qui font croire aux autres que c'est Dieu qui les a envoyés. D'accord? Ils peuvent être chrétiens, soi-disant. Ils peuvent prendre le nom de chrétien, le nom de musulman, le nom de bouddhiste, tout ça, plusieurs noms. Ils sont à la base de sectes, tout ça, de différentes religions. Vous voyez? C'est terrible. Et c'est exactement ce que Jean nous dit. C'est comme si Jean nous disait, quand vous verrez l'émergence, le réveil des antéchrists ici et là, sachez que c'est la dernière heure, donc ça doit plutôt nous interpeller, ça ne doit pas nous décourager, ça ne doit pas nous, n'est-ce pas, nous attrister. Au contraire, on doit se dire, c'est vraiment la dernière heure, parce que c'est des signes que Dieu nous donne. Vous voyez? Des signes, comme une horloge, pour nous avertir. Voilà. Et voilà ce que Jean nous dit. Donc, dans les derniers jours, on verra et on voit cela. Donc, il y a l'émergence, le réveil des antéchrists. Et qu'est-ce qu'on apprend encore? Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. Sache que Pierre, donc Paul, pardon, parle à Timothée, il est en prison, Paul. Sache que dans les derniers jours, voilà, dans les derniers jours, d'accord, c'est le même terme employé par, ici c'est eschatos, mais c'est l'équivalent en hébreu, on l'a vu, hein, akarit. Voilà, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, pendant les derniers jours, on apprend que les temps seront difficiles. On n'a pas prédit des temps glorieux, non. On a prédit des temps difficiles. Voilà pourquoi Jacob voulait que ses enfants écoutent et comprennent correctement son message. Il y aura des temps difficiles. Où? Dans le monde et dans les assemblées, bien sûr. Pourquoi? En fait, Paul décrit, n'est-ce pas, le caractère des hommes qui vivront les derniers jours de la naissance de l'Église au retour de Jésus. Paul décrit, n'est-ce pas, et Paul prophétise, annonce la dégradation de la moralité, des mœurs. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car les hommes seront, n'est-ce pas, idolâtres d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils vont tellement aimer s'aimer, ils vont tellement aimer leur corps, ils vont avoir le culte de la beauté, de la personne. C'est le culte du corps. Et c'est exactement ce que nous avons actuellement avec, mes amis, la mode, avec les différentes sortes de sports où le corps humain est mis en exergue. Vous voyez? C'est terrible. Vous avez vu toutes ces publicités où l'homme est mis en exergue, tout ça. Voilà, donc la femme parfaite, l'homme parfait. Donc, c'est exactement ce que connaît notre génération, ce que vit notre génération. Les hommes sont de plus en plus, des hommes sont de plus en plus idolâtres de leur corps. Parce que le mot égoïste ici signifie littéralement idolâtre. N'est-ce pas? Donc, et ils vont tellement s'aimer. Et deuxièmement, il dit, ils seront amis de l'argent. Donc, il va y avoir une alliance entre les hommes. Et c'est déjà le cas entre les hommes de cette génération, c'est-à-dire la génération des derniers jours, et l'argent. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu toutes sortes de scandales qu'il y a dans les églises concernant l'argent, avec des pasteurs. Vous entendez toutes sortes de scandales qu'il y a dans le monde, même chez les hommes politiques, par rapport à l'argent. Eh bien voilà, amis de l'argent. Littéralement, Paul dit que l'argent sera l'ami des hommes de cette génération. Vous voyez?
L'argent. L'argent, aujourd'hui, c'est l'argent qui fait tout. C'est l'argent qui est devenu le maître. L'argent monnaie, l'argent papier, les billets de banque. Voyez, vous pouvez ne pas être beau, mais vous faire, vous avoir plusieurs femmes parce que vous avez l'argent. Voyez, si vous avez l'argent, le racisme n'existe pratiquement plus. Parce que même les racistes, s'il y a l'argent devant eux, frère, ils oublient le racisme de manière générale. Parce que c'est l'argent, c'est le langage de l'argent. Voyez, ceux qui se disent racistes, que même des partis politiques, souvent ils ont des entreprises et ils embauchent même, mes amis, des étrangers. Pour vous montrer à quel point, quand il est question de l'argent, ben, tout le monde se met pratiquement d'accord. Tout le monde est d'accord. Vous voyez, on met de côté les conflits, les idéaux, tout ça, parce que c'est l'argent qui parle. Voilà. Vous allez faire la cour à une femme, pour les inconvertis, bien sûr, quand on est dans le monde. La femme va refuser, mais si vous amenez une belle voiture avec vous, ben, la femme va dire oui, en général. Ou l'homme, pareil, c'est l'argent qui parle, c'est l'argent. Vous voyez, et Paul nous dit que, voilà, il décrit, en fait, les caractéristiques des hommes des derniers jours. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Et on voit de plus en plus comment les gens sont ingrats aujourd'hui. Vous voyez les chrétiens, il y en a, vous les formez, demain ils commencent à prêcher un peu, ils deviennent ingrats. Ils oublient d'où ils sont sortis. L'ingratitude caractérise notre génération. Vous hébergez quelqu'un, la personne demain elle va avoir une maison, elle oublie d'où, par où elle est passée. Et elle vous traite de sorcière, sorcière. Voyez ? L'ingratitude. Ça caractérise notre génération, frère. L'ingratitude. L'égoïsme. Par exemple, je vais insister encore sur l'égoïsme. Vous avez vu ces grandes surfaces, ces grands magasins, mes amis, qui jettent des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires, de nourriture, et qui ne veulent même pas les offrir aux SDF, aux nécessiteux. Voyez, c'est terrible. Ils préfèrent le jeter plutôt que de le donner aux gens qui sont dans les besoins. Vous voyez, l'ingratitude, l'égoïsme que connaît notre génération. Voilà, tout ça c'est décrit dans les Écritures, bien sûr, frères et sœurs. Hein? Et irréligieux, c'est exactement ce qui se passe, irréligieux. Vous voyez, donc, insensible. Hein? Insensible. Et c'est exactement ce que caractérise notre génération. Je prends un exemple. Au Congo, RDC, Kinshasa, dans l'Est, à Goma, il y a une guerre qui passe sous silence. Des âmes, des enfants de 4 ans sont violés. Des enfants de 3 ans sont violés. Des bébés de 6 mois sont violés. Des enfants sont coupés, découpés avec la machette. Hein? Mais c'est terrible ce qui se passe, frères et sœurs, dans ce coin du globe. En 10 ans, il y a près de 6 millions de morts. Et les médias, même européens, n'en parlent même pas. Vous voyez, frère, les gens sont insensibles à la souffrance des autres. Insensibles. Et voilà ce que Paul a décrit. C'est terrible de voir combien on demande dans l'Est, là-bas, de la République RDC, on demande aux enfants de violer leur propre maman, leur mère. Vous voyez, frère, 10 millions de morts en 10 ans. Personne n'en parle. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'or, le diamant, le cobalt, beaucoup de richesses. Et tout le monde trouve ça normal. Voilà. Les gens sont insensibles à la souffrance des autres. Des enfants sont tués, égorgés, mais comme ce ne sont pas leurs enfants, eh ben, on est insensible. Voilà. Alors que les grandes puissances ont les moyens de mettre un terme à ce désastre, à ce massacre. Voilà. Les hommes sont devenus insensibles. Voilà. À la souffrance des autres. Pourquoi ? Parce que c'est le langage de l'argent, tout autour de l'argent, des billets qu'on va laisser quand on va mourir. Voilà. Le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde corrompu, malade. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs, depuis la naissance de l'Église, il y a 2000 ans, le péché ne fait que accroître, hein, s'accroître. L'iniquité ne fait que grandir. Vous voyez, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 24, verset 14, 12 à 14. Hein, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et déloyaux, hein, donc c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a plus de loyauté, mes amis. Calomniateur et intempérant. Les gens vont te calomnier, t'attribuer des choses que tu n'as pas faites. Hein, on invente des histoires. Hein, on veut t'attribuer des choses que tu n'as pas faites. Tout ça pour te calomnier, pour te détruire, alors qu'il n'y a pas de preuve, rien. Donc c'est notre génération, elle est comme ça, mes amis. Et intempérant, cruel. La cruauté a augmenté.
ennemi de gens de bien. Depuis la naissance de l'Église, frère, si vous dites aujourd'hui que vous êtes chrétien, surtout dans notre génération, au 21e siècle, si vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien, vous aimez Jésus, eh bien vous allez avoir des problèmes. On va vous taxer de tout le nom, vous traiter de secte, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est terrible, frère, c'est terrible. Le nom de Jésus dérange. Vous voyez? Et on nous dit également qu'ils seront, mes amis, traîtres. Ennemis de gens de bien. Vous savez, si nous, notre génération cherche plutôt les gens mauvais. Plus vous êtes méchant, plus tout le monde vous accepte. Si vous êtes un pasteur, vous êtes un public voleur, tout le monde trouvera ça normal. On va vous tendre la main de l'association. Mais si vous commencez à sanctifier votre cœur, à dénoncer le péché, on vous traitera de rebelle, antéchrist, voleur, violeur des femmes, impudique, tout ce que vous voulez. Voilà, notre génération, elle est comme ça. Le Seigneur l'a dit de toute façon. Si on m'a aimé, on vous aimera. Voilà. Et Paul dit, enflé d'orgueil. L'orgueil, effectivement, caractérise notre génération. Aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez notre génération, hein, qui fait partie des derniers jours. Regardez comment les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Comment vous avez vu le nombre de boîtes de nuit qui pullulent partout, frères et sœurs. La jeunesse est encouragée à aller danser à gauche, à droite, à boire, à fumer, à se saouler. Voyez, à prendre les différents types de drogues. Voyez, pour atteindre le nirvana. Voyez, et c'est terrible. Cette génération, elle est vouée, mes amis. Elle est vouée, elle est vendue, elle est condamnée, mes amis. Et elle se condamne elle-même. Voyez, et c'est ça les derniers jours. Et Paul dit, ayant l'apparence de la piété, reniant ce qui a fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, voilà, vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont en costume et cravate en soutane chez les catholiques. Vous avez vu même chez les pasteurs évangéliques qui sont en soutane, tout ça. Vous avez vu les autres religieux qui s'habillent en blanc, ils ont une apparence pieuse. Mais en dessous, ça cache. Dans le cœur, là, le cœur est rempli d'hypocrisie, rempli de péché, tout ça, là. Eh bien, c'est notre génération. Tout est dans les apparences. Les gens sont beaux, ils sont bien habillés, ils sont propres. Vous avez l'impression que à la télévision, tout le monde est beau. Vous voyez, les stars sont belles, tout ça. C'est notre génération. Vous avez vu le nombre de personnes qui subissent, des chirurgies esthétiques. Dans notre génération, c'est impressionnant. Tout peut être refait aujourd'hui, tout. Le nez, les yeux, tout, la bouche, tout, les joues, le ventre. Voilà notre génération. C'est une génération où les gens aiment plus le plaisir. Vous avez vu le nombre de jeux, mes amis, vidéo qu'il y a aujourd'hui? Le nombre de, mes amis, de consoles vidéo, de jeux sur ordinateur, le plaisir pour le plaisir du corps humain. Vous avez vu le nombre de parcs, mes amis, pour pouvoir se détendre? Hein, des jeux, Euro Disney, il y en a tellement, mes amis, aujourd'hui. Tout ça pour distraire l'homme. Vous avez vu le nombre des missions qu'il y a, hein, des missions télévisées, tout ça, mes amis, pour des séries télévisées pour nous faire plaisir. Mais c'est notre génération. Voilà. Voilà. Parce que nous sommes dans les derniers jours. Voilà, mes amis. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il est question ici des chrétiens. Paul décrit, mes amis, le comportement des chrétiens. Des gens qui se disent chrétiens, mais qui vivent dans le concubinage. Et qui disent, oui, le message m'a touché. Mais quand vous vérifiez, ils sont toujours dans le péché. C'est grave. C'est notre génération. Pourquoi? Parce que c'est les derniers jours. Nous sommes dans, mes amis, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, qu'est-ce que Pierre nous dit? Nous lisons à partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, Pierre est le quatrième, enfin, il est le premier témoin, le deuxième, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le troisième, on l'a vu, c'est Jean. Pierre revient encore à la charge et dit, dans les derniers jours, donc il y a eu un enseignement apporté par les prophètes et les apôtres concernant les derniers jours. Et il est important que dans les églises, l'on parle, mes amis, de ces choses, de ces enseignements concernant les derniers jours. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi devons-nous nous attendre?
Il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Et c'est exactement ce qui se passe. Des moqueurs. Quand vous parlez de Jésus aux gens, au travail, à l'école, on se moque de vous. Quand vous parlez de Jésus à vos collègues, ils peuvent se moquer de vous. Ce sont des moqueurs. Hein? Il y a même des moqueurs dans beaucoup d'assemblées qui se moquent de quoi, de qui. Regardez, ils disent où est la promesse de son avènement. Donc ils se moquent de l'avènement du Seigneur sur le retour de Jésus. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de la parole de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà ce que Paul, Pierre nous enseigne, frère. Il dit qu'il va y avoir des moqueurs et c'est le cas. De plus en plus, des pasteurs deviennent moqueurs aujourd'hui. Ils refusent même, beaucoup refusent même de parler du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup, mes amis, refusent de parler de ces choses concernant les derniers jours. Et ils parlent de quoi? Ben, ils parlent ils ont le même langage que les gens du monde. Money, 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 l'argent, l'argent, l'argent. Donnez la dîme, vous serez bénis. Donnez l'offrande, vous serez bénis. Ils vendent des CD, ils vendent des livres, leurs ouvrages. Ils vendent des concerts payants. Tout ça, ils mettent leurs concerts payants. Ils vendent leurs CD. C'est la confusion. Vous voyez? Alors, au lieu de parler des avènements, de l'avènement du Seigneur, de parler des choses concernant ce jour, mes amis, des choses relatives au dernier jour, ben, on n'en parle pas parce que, ben, ils ont le langage du monde. Ils ont le langage de la terre. Vous voyez, frères et sœurs, c'est grave. Et ils se moquent du jour du Seigneur. Ils ne parlent plus de l'avènement du Seigneur. Très peu en parlent. Très peu en parlent. Vous voyez? Et alors que dans les assemblées, on doit prendre du temps dans ces enseignements. On doit s'asseoir et enseigner là-dessus. Poser des questions, mes amis, pour que les chrétiens soient éclairés. Pourquoi? Parce que Pierre nous dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Pierre nous avertit, nous invite à nous attacher à la parole prophétique. Or, les derniers temps, les derniers jours, mes amis, font partie de la prophétie biblique. Et celui qui n'est pas éclairé par la prophétie biblique marchera dans les ténèbres, se fera avoir par l'ennemi. Je prends un exemple. Un chrétien qui fréquente une assemblée où le pasteur est tombé dans le péché sexuel, a volé l'argent. Si ce chrétien n'est pas enseigné sur les événements relatifs au dernier jour, s'il n'est pas enseigné, si on ne lui a pas dit que le fait que ce pasteur tombe comme ça a été annoncé dans les Écritures, ce chrétien sera tellement scandalisé qu'il risque de repartir dans le monde. Mais s'il est enseigné sur les choses concernant les derniers jours, il se dira, c'est la parole qui s'accomplit. Voilà pourquoi, mes amis, il faut qu'on nous enseigne sur les choses relatives à la fin de temps et au dernier jour. Voilà. Donc, et qu'est-ce que Jacques nous dit également concernant toujours les derniers jours? Il y a plusieurs éléments qui vont avoir lieu pendant les derniers jours. Nous sommes dans Jacques, chapitre 5. Jacques est le quatrième témoin. Le premier, c'est Pierre. Le deuxième, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Le troisième, mes amis, c'est Paul. Hein, le quatrième ici, c'est Jacques. Jacques chapitre 5. Et qu'est-ce qu'il dit, mes amis? Nous lisons à partir du verset premier.
À vous, maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voyez, frère, Jacques nous apprend que pendant les derniers jours, donc pendant la dispensation de l'Église, les riches vont de plus en plus amasser de l'argent. Ils seront de plus en plus riches. Et pour votre information, notre génération, c'est-à-dire le 21e siècle, connaît plus de milliardaires que les autres générations. Il y a plus de milliardaires aujourd'hui qui en avaient, mes amis, au 19e, 20e siècle. Et c'est terrible. On en trouve de plus en plus en Afrique, alors qu'avant, il n'y en avait pas. On en trouve de plus en plus, mes amis, en Inde, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et pour votre information, 80% de la richesse mondiale, 80% de la richesse mondiale sont détenues par 5%. 5% d'individus. C'est impressionnant. Nous sommes combien? Nous sommes, frères et sœurs, 7 milliards d'individus sur Terre aujourd'hui. Et plus de 80% de la richesse mondiale, hein, mes amis, sont détenus par 5% d'hommes. C'est impressionnant. C'est-à-dire que ces hommes, ils auraient pu, s'ils étaient, mes amis, s'ils étaient touchés par l'Évangile, ils auraient pu, mes amis, nourrir toute la population mondiale pendant des siècles. Pour vous montrer à quel point notre génération est remplie d'égoïstes. Vous vous rendez compte, frère? Vous avez vu le nombre de comptes bancaires bien approvisionnés, remplis de milliards et de milliards? Vous avez vu ces lingots d'or qui dorment dans les endroits, quelque part dans les banques, dans les coffres des banques? C'est terrible. Voilà la réalité. Et Jacques l'a dit que pendant les derniers jours, jusqu'au retour de Jésus, Jacques nous apprend que les riches seront de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et c'est ce que nous voyons actuellement. Voilà. Comment vous pouvez expliquer qu'un homme, mes amis, lui seul, puisse avoir des milliards et des milliards. 50 milliards pour un seul homme. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça, honnêtement? C'est impressionnant. Voilà notre génération. Voilà, frère, ce qui se passe en ce temps dernier. Et vous avez de plus en plus aussi des pasteurs. Vous avez vu le nombre de pasteurs riches aujourd'hui? Mais de plus en plus, il y a des pasteurs qui ont des jets privés. Le Nigeria, en Afrique, compte, mes amis, c'est le pays où il y a le plus de riches, de pasteurs riches. Il y en a qui ont 2 ou 3 jets privés. On vous a montré hier, pour ceux qui ont suivi l'enseignement, ce couple de voleurs, hein, congolais, ce couple, mes amis, Olangui et sa femme, qui ont plusieurs 4x4. Voilà ce qui se passe. Voyez? Et Jacques l'a dit. Donc, les derniers jours, frères, sont des jours difficiles. Très difficiles. Et ce soir, nous voulons nous arrêter là. J'ai voulu faire un enseignement de 1 heure à peu près pour que vous compreniez bien comme il faut les choses, pour pouvoir bien diffuser cette vidéo. Et lundi prochain, si Dieu permet, on fera la suite, c'est-à-dire on parlera sur la fin de temps maintenant. Parce que quand on parle de la fin de temps, il est question du temps des nations ou du temps des nations. Voilà. À quel moment ça a commencé et quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà. On sait que les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église et prendront fin au retour de Yeshua. Et pendant ce temps, pendant cette période, il va y avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions sur terre, dans les églises,
beaucoup de il y aura de l'égoïsme, il y aura des meurtres, il y aura des femmes qui vont avorter. Ça va être terrible. Il y aura de la persécution contre les églises véritables, contre les vrais chrétiens. C'est pour cela, frère, nous devons être suffisamment préparés et avertis pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Mon peuple est détruit, disait le Seigneur, parce qu'il lui manque la connaissance. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au nom de Yeshua, rendez-vous ce samedi sur TV de vie à partir de 16h30, même plutôt, je crois, vers 14h plutôt. Et puis ce dimanche, on sera à Lille pour les frères et ceux qui sont à Lille, qui habitent Lille et les villes d'alentour. Mais comme c'est une salle, on a pris une salle de 80 personnes, donc, et on veut vraiment faire quelque chose de privé avec les frères et ceux de Lille. Alors, si vous habitez Lille, vous voulez venir à ce programme, vous pouvez nous appeler, on vous donnera les coordonnées de Paul, notre frère, qui nous reçoit. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation, bon courage, que Dieu nous garde, au nom de Yeshua. Amen.